Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titre, grade, titre et qualité, bonsoir. Au nom du haut commandement de la PNH, nous adressons nos plus cordiales salutations et souhaitons la bienvenue à vous toutes et à vous tous qui ont fait le déplacement pour venir assister à cette cérémonie d'inauguration du local logeant la direction départementale de l'Ouest. Cet acte que nous posons ici aujourd'hui s'inscrit en droit civil d'une décision qui a été prise par le commandant en chef, M. Léon Charles, de procéder à une subdivision de commandement du département de l'Ouest. En effet, le dit département est réparti en deux branches, l'Ouest 1 et Ouest 2. Une façon de faire une meilleure gestion du département et mieux répondre aux besoins de sécurité de la population. Nous voici réunis cet après-midi dans ce nouveau local qui va loger la direction départementale de l'Ouest 2, couvrant les zones suivantes: Tabarre, Croix des Bouquets, Cité Soleil, Lagonave, Cabaret, Alcaïen, tandis que celle de l'Ouest 1 a sous sa responsabilité Keston, Pétionville, Delma, Port-au-Prince, Carrefour, Léogane, Gressier, Petit-Gouard et Grand-Gouard. C'est le commissaire divisionnaire Cliven Sekou qui occupe le poste de directeur départemental de l'Ouest 2. Sur ce, Monsieur le responsable de la direction départementale de l'Ouest 2, vous êtes invité à prendre la parole pour vos propos de circonstances. Merci. Monsieur le directeur général, monsieur l'inspecteur général en chef, monsieur le directeur central de la police nationale d'Haïti, le membre du haut état-major, mesdames, messieurs, la presse parlée, écrite et télévisée, mes chers amis, mes chers collègues. Dans le but d'optimiser le rendement de la police au niveau du département de l'Ouest, sur le plan sécuritaire, le directeur général de la police nationale d'Haïti, supporté par le CSPN, a jugé bon de diviser le dit département en deux directions ainsi dénommées
donc, direction départementale de l'Est 1 et direction départementale de l'Ouest 2. Pour cette nouvelle expérience, le directeur général a jeté son dévolu sur moi. Je vous remercie pour la confiance placée en moi, monsieur le directeur général de la police nationale d'Haïti, et je vous promets de donner le meilleur de moi-même en vue de répondre à vos attentes. Ma mission, dans le contexte sociopolitique actuel, est d'améliorer la situation sécuritaire au niveau du département. Pour la réussite de telle mission, en tant que directeur départemental de l'Ouest 2, je vais devoir compter sur le soutien logistique du gros commandement. La collaboration de différents responsables du gros commandement, la collaboration de différents responsables de juridiction, des cadres intermédiaires, des agents de police, des personnels administratifs et aussi des autorités locales et d'autres couches de la population. Que Dieu me vienne en aide. Merci. Merci. Après les propos de circonstances du directeur départemental de l'Ouest 2, le directeur général de l'institution policière, M. Léon Charles, est invité à prendre la parole. Merci. Attention. Asseyez-vous. Monsieur le secrétaire général chef de la police nationale d'Haïti, messieurs les membres du haut état-major de la police nationale d'Haïti, policiers, policières, mesdames, messieurs. Depuis 20 ans environ, le département de l'Ouest en général et la zone métropolitaine en particulier fait face à des problèmes de tous ordres qui nécessitent des solutions innovantes. L'explosion démographique, avec comme corollaire la création de nouveaux quartiers et de nouveaux pôles économiques dans les grandes villes, a augmenté de manière significative les responsabilités qui incombent en matière de sécurité au directeur départemental de l'Ouest, lequel n'est plus en mesure de s'acquitter de tous les devoirs de sa charge dans une juridiction aussi étendue. De plus, la lutte engagée contre les gangs armés, lesquels sont disséminés en divers endroits de cette juridiction, a rendu nécessaire le découpage de la direction départementale de l'Ouest en deux juridictions distinctes avec le même niveau de responsabilité. Fort de cette logique opérationnelle et après avis du haut commandement, j'ai décidé de créer la direction départementale Ouest 2 qui disposera de toutes les structures administratives et techniques prévues pour les directions départementales de la police nationale d'Haïti. À commencer par ce bâtiment qui lui servira de siège. Le directeur départemental Ouest 2 aura pour compétence sur toute la partie nord du département de l'Ouest et rendra directement compte de son action à la structure de la police nationale d'Haïti. Monsieur le directeur départemental, en vous remettant ce bâtiment, on vous a donné de prendre toutes les mesures nécessaires et utiles en vue de rendre cette structure efficace, active et viable. Merci. Voilà, les propos du directeur général Léon Charles et mettre fin à cette cérémonie d'inauguration de l'Ouest 2. Ainsi, nous remercions toutes les autorités qui ont marqué leur présence et rehaussé l'éclat de cette cérémonie inaugurale. Nous invitons à présent le gouvernement à passer à table pour une petite collation. Les autres invités s'en suivront. Merci. Yeah.
Thank you.
remercier tout le monde qui t'a suivi nous en bas là-bas. C'est comme ça, ça finit. On dit tout le monde merci. Merci. Et notre BFMB là, t'es bel et bien présent pour t'écouter.